Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est David K, à la fois l'empereur du code créateur, mais aussi le créateur de la danse du Hales Game. Alors il y a deux choses qui me tiennent à cœur actuellement, vous faire plaisir, vous divertir, bien sûr vous faire passer un bon moment, mais aussi lire vos retours car vous êtes extrêmement à vous exprimer dans l'espace des commentaires. Il y a un commentaire qui est revenu et que j'ai pris en considération, c'est que j'étais très investi dans le gameplay et là ces derniers temps un peu moins et que certains d'entre vous avaient envie de voir du vrai gameplay. Bien écoutez, je vous ai entendu. Et aujourd'hui on part sur les bases d'un record du monde, tout simplement car on va suivre Sun Bentley, d'un joueur de chez Code Magic, qui rush les 40 000 trophées. Et là il est sur le point de passer les 39 400 TR. Juste devant lui il y a Twisty Tweak, mais je sens que Sun Bentley il a la rage de vaincre. Bien sûr ce sont deux amis, ils ne sont pas en compétition au sens propre du terme. Ils s'encouragent l'un l'autre, mais nous on est parti sur le gameplay de Sun Bentley. Alors bien sûr avant de partir sur le gameplay, petite précision, le Twitter de Sun Bentley se trouvera en description, ainsi que le Discord et le Twitter de Code Magic. Je vous invite bien sûr grandement à les follow pour suivre l'actualité e-sport. Et au passage on n'oublie pas mon code créateur, ça met bien quand même, t'as vu la tronche que j'ai. C'est parti pour la première game de cette vidéo, on est en Brawl Ball, Sun Bentley est accompagné de Tom02 ainsi que de Cassé, donc deux joueurs de chez Code Magic. Ils sont tombés contre une équipe avec un Léon, ce qui est plutôt surprenant, alors que de côté Sun Bentley, on a choisi Nita accompagné de Max. Alors, c'est parti, donc Sun Bentley, side de gauche, ok, on a Tom02 qui continue de mettre la pression, on s'est mis à 3 sur le side de gauche, les dégâts de zone de Cassé, attention, c'est du 1 contre 1, est-ce qu'il peut passer Tom02? Oh, ça va être compliqué pour Tom02, il va prendre le kill! La frappe de Tom02, le but! Incroyable, un premier but en quelques secondes. Attention, on a accéléré tout le monde côté Tom02. On prend les premières touches sur le Boaurus. Tom02 qui distribue, Tom02 au meilleur niveau encore une fois. Cassé qui va pouvoir faire des dégâts de zone. On va peut-être utiliser le spécial côté Cassé pour ralentir tout le monde. Sun Bentley qui fait des dégâts, Cassé qui ralentit. Double kill. Attention. Accélération, le Léon qui est tout seul, ça va passer mesdames et messieurs, 2-0 en une minute de gameplay, c'est incroyable. Oh là là mesdames et messieurs, grosse victoire pour Sun Bentley qui va donc passer sa Nita à plus 4, qui va passer donc 1142. Et si on va directement au classement général, on peut voir un Sun Bentley qui vient prendre 4 trophées. Et là, littéralement, les amis, ils rushent les 39 400 et c'est juste incroyable. Allez, les amis, c'est parti, deuxième game. Allez, cette fois-ci, c'est Cassé qui est parti sur le side gauche. Oh, attention, Sun Bentley, il a esquivé une première requête. Oh, bien joué, le gadget de Toby. Est-ce qu'on va tenter le tir? C'est pas passé, malheureusement. Attention, on est à 2 contre 1, faut attendre que le bouclier tombe. Ok, Angel, il a très très bien réagi en allant au CAC de Cassé. Au corps à corps, on évite un maximum de dégâts côté EMZ, c'est dommage cette action-là qui ne se conclut pas. Accélération de Tom02 pour toute l'équipe, le premier dash. Oh, attention, 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 on a pris un kill, on est en supériorité numérique là. Allez, faut en profiter. Allez, attention. Ok, Sun Bentley, il a toute sa vie. Oh, ça va être difficile, on va pas réussir, attention. Allez, c'est à Cassé de faire un travail là, c'est lui qui a les dégâts de zone. Ça n'a pas passé malheureusement, très très belle ulti de Toby pour la défense. On n'a pas réussi à concrétiser pour le moment, mais on met une belle pression là. Allez, Sun Bentley, il a esquivé la roquette. On a, allez, Cassé qui est Lovita. Attention, Cassé. Ok, attention, faut réussir à... Ok, on laisse Tom02 remonter avec la balle. Oh, est-ce que ça va passer? Oui! But de Cassé, très très réactif Cassé là sur cette action. Félicitations Cassé. Ok, on a lâché l'ours de côté Sun Bentley. On l'a mis en retrait pour permettre à cette ours de remonter. Et Tom02 qui active son spécial, le dash. Oh là là, on distribue beaucoup de dégâts. Et ça, les supériorité numérique, ça va rentrer dans le but ça. Mais oui, le truc shot, même le bébé truc. Que dis-je, de Sun Bentley pour une victoire exceptionnelle. Bravo, Sun Bentley qui vient gratter 4 trophées supplémentaires et qui passe Sanita à 1146. Gros travail d'équipe, gros voilà, je tiens à faire un petit big up quand même au niveau de Cassé de Tom02 qui accompagne Sun dans ce rush totalement incroyable. Allez c'est parti les amis, on va enchaîner sur une troisième game de Brawl Ball. Pour le moment je n'ai fait aucun cut, c'est-à-dire que je vous ai rec toutes les games, voilà. Donc attention, on a un Colt Middle qui a potentiellement quand même plus de portée que Tom02, ça peut être dangereux. On voit Sun Bentley qui gère très très bien la distance, le Franc qui va tomber. Ok les amis, attention, Cassé les Lovita, mais on est tout de même en supériorité numérique. La très belle passe de Tom02, on va pas avoir le temps de, pour le moment de grimper haut. Alors Sun Bentley qui se prépare à l'ulti. Tom02 grâce au dash qui rentre, il rentre dans le but, c'est un truc de fou ce niveau. Incroyable, 1-0, ça va très vite. Ok, le Colt, Lovita. Ok, le Colt il est à 1400. Ok, alors on a un petit... Vous inquiétez pas, c'est juste un petit bug graphique, c'est pas grave.
Ok, attention, tome 0 de 1000 points. Attention, cette fois-ci, on se retrouve en infériorité numérique. C'est dommage, Tim, il est resté à 178. C'est vraiment pas... Oh, très beau kill. Ça, c'est un super beau kill. Bon, là, très, très certainement, on va utiliser le spécial, hein, côté MKS Franck. Oh, très beau gadget de cassé. Très belle réaction. Allez, tout le monde DPS le Franck, là, faut pas... Oh là là, la défense, elle est exceptionnelle. Sunmetley qui fait pop l'ours pour aller tuer. Et cette fois-ci, on a 3 contre 1. Attention, peut-être à tome 02 qui va accélérer tout le monde. C'est chose faite. On est encore une fois à 3 contre 1. On a dashé. Et c'est le but de tome 02. Troisième victoire et déjà plus 12 trophées pour la Miss Sunmetley qui va passer donc Nita à 1150. Et regardez, sans aucun cut... Aucun, on va aller au classement général du monde et on voit Twisty Tweak avec 39 491 talonné par Sun Bentley, deux joueurs de chez Code Magic ainsi que les joueurs qui suivent, hein, à 39 371 pour l'ami Sun Bentley. Et petite précision, petite exclue les amis parce qu'on aime les infos croquantes, vous m'en avez demandé et vous aimez l'e-sport donc je vais vous en donner. Code Magic est le premier clan au monde à passer les 3 millions ou 3 milliards, je sais pas exactement, mais en tout cas à passer cette barre symbolique avec le fameux 3 devant, voilà. Donc écoutez, on passe sur la game suivante. Et c'est parti pour une nouvelle game endiablée. Voilà, vous avez les games qui s'enchaînent grâce à la magie du montage. On vient déjà de prendre un kilo mid. Oh, et ça, Sunbetley, il va rentrer, hein. Ah oui, attention, très très beau gadget d'Elisa, là, magnifique, hein, l'utilisation des gadgets, je ne cesse de le dire, mais c'est juste incroyable. Cassé qui ralentit tout le monde et occasionne des dégâts, on utilise le gadget, ça fait reculer tout le monde, grosse pression, Cassé qui fait un travail parfait là, et qui permet à Sunbetley de trouver les chemins du filet après quelques secondes de game, encore une fois, c'est dingue. 1-0, allez, on a une très très bonne organisation, attention, la Cassé qui a pris quelques dégâts, Tom au mid, il a fait remonter la balle, allez, Sunbetley qui met la pression... Attention, on a tenté le gadget. Oh, Cassé, il est passé en force. C'est le but. Même pas une minute de gameplay. C'est la victoire. C'est dingue. Ça paraît si facile alors que c'est si compliqué. Et on continue ce rush de trophées. C'est parti. Alors, Sunmetley, il est à 39 375 actuellement, les amis. Donc, il va lui manquer environ 6 games à plus 4, à raison de plus 4 pour passer les 39 400. Très beau travail de Cassé avec le gadget, une nouvelle fois, qui a expulsé le joueur et pris un maximum de dégâts. Et là, on va se retrouver à... Ah oh oui, but de Cassé exceptionnel. Ah, il s'est saisi de la balle et il a directement été au but. 1-0. Attention, on enchaîne. On est contre une team en face. Oh, il semblerait... Non, je pensais que la team allait abandonner, peut-être en face, mais non. Ok, c'est le fight, et très clairement, bon, là, ils sont pas au niveau. Hein. Là, ils sont pas au niveau. Cassé qui fait qu'une bouchée. Et non, finalement, c'est but de Sunbetley. Bon, ils étaient pas au niveau en face. GG à eux, tout de même. Voilà, il y a une grosse différence de trophées. Hein. On peut voir qu'ils sont à 900. C'est vrai que, voilà, à ce niveau-là, autant de trophées de différence, c'est énorme. Sunbetley qui continue, donc, pour le moment, avec Nita, les amis. Et ce qui nous permet d'avoir un classement général qui est à 3000. 379, donc encore, allez, on va dire encore 6 games, il me semble, et on continue tout de suite, c'est magnifique ce qui est en train de se passer, j'adore ce gameplay. On enchaîne, les amis, la petite information que je peux vous donner, c'est que Twisty, il a pas perdu de son côté, et que potentiellement, les deux jouent en Brawl Ball, donc ils pourraient se croiser. On a eu un kill de Sunmetley sur le Franck à droite, là, on joue en équipe pour... oh, il y a eu Marco, il a activé le gadget, là, et voilà, Cassé pour la défense, qui active lui aussi son gadget pour défendre sur ce Jackie, toujours très méta, hein, toujours très très fort, malgré qu'il ait subi une petite... un petit équilibrage. Il est toujours là, Jackie, il n'y a pas de problème. Double kill de part et d'autre. Alors, que va faire Cassé? Va-t-il... Non, on n'active pas le spécial pour le moment, côté Cassé. On préfère aller tuer Franck pour, j'ai envie de dire, filer un coup de main au poteau Sunmetley. Ça prend le kill. Et là, attention, on est 3. La passe sur Cassé. On a accéléré. Ok, Tom 02 qui s'occupe. Et ça va rentrer 1-0. On joue en équipe. Les joueurs jouent les uns pour les autres, c'est dingue. C'est reparti au mid, attention à Makoki, le Franck en face qui a de son côté un énorme spécial, tout comme Béa. Et là, cette fois-ci, on a pris le kill, ça va être difficile à défendre là. Oh, Makoki, ah, il a touché avec son spécial. Oh, sauvetage de Cassé à la dernière seconde. Et oui, ça va être très très compliqué de défendre. Tom 02, Tom 02, il a une mission là. Oh oui, la défense de Tom 02. Attention, c'est à Sunmetley maintenant de faire la différence. Attention, Sunmetley toujours, Sunmetley encore. On a réussi à prendre le kill sur le pseudo en bas à droite de la BA asiatique. On a fait une très très belle défense. Grosse mention une fois encore là à Cassé. Tout le monde est accéléré grâce à Tom 02, mesdames et messieurs. Ok, on prend des dégâts. Le Franck qui tombe. On va mettre la pression avec l'ours de Sunmetley qui va aller chercher Jackie. Attention, Sunmetley pour le kill. Cette fois-ci, on est à 2 contre 1 contre le Franck. La passe peut-être.
Non, on n'a pas réussi à faire la passe, c'est dommage. Attention, Tom il a le long shot. Non, on a préféré accélérer. On va peut-être décaler à droite sur Sun Bentley. C'est chose faite. Oh, est-ce que Sun Bentley va remettre ou tenter le trick shot peut-être? Le trick shot! Le trick shot qui passe de Sun Bentley, incroyable. On l'avait vu venir hein, sur le muret. Exceptionnel. Sun Bentley qui ne tremble pas dans un rush pour les 40 000 trophées. Cet homme-là est stratosphérique. Il vient de vous passer un petit trick shot des familles comme s'il rushait les 25 000 trophées. Juste incroyable. Énorme GG. Game suivante. Oh, et quelle suite exceptionnelle, les amis. Tout simplement parce que c'est merveilleux. Après 2 heures à peu près de pause dans ce rush, on part en braquage et on a l'ami Twisty Tweak qui a finalement rejoint Sun Bentley pour le rush. Donc ils vont rusher côte à côte. Et quoi de mieux que ce rush côte à côte? Alors, on part. J'adore cette map. Sun Bentley qui a réussi à trouver une faille. Allez, une première touche, ça prend le coffre. Et oh, ça prend le coffre, le kill. On va remonter sur Sun Bentley, les gars. On va remonter sur Sun Bentley. On a un gros DPS. Sun Bentley qui va reculer pour prendre le temps de régénérer un petit peu. Le Rico, il est touchable. La belle bulle qui va prendre la double touche. Twisty qui met la pression. On est à 3 sur le coffre potentiellement. Alors. Il a. Bien vu, Sun Bentley qui fait reculer le bulle. 19% sur le coffre. Attention, Sun Bentley qui fait le tour. Pour rappel, Billy, il est très 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 rapide maintenant. On va pas pouvoir passer là, attention. On voit Cassé qui est en train de remonter. Il a mis la pression. Hop, on va repasser en auto. Et on essaie vraiment sur le braquage, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on essaie d'avoir la meilleure vision possible. Si on accélère tout le monde, ça peut faire du sale. Twisty, il est passé. Twisty, Twisty toujours. Twisty, la charge de Twisty. Oh, c'est chaud, 8%. Ok, le dash de Cassé pour prendre le kill. Énorme Cassé, exceptionnel. Oh, Sun, il loupe une touche. Oh, Sun, il a loupé. Sun qui loupe une touche, ça va être difficile, là, attention. Oh, Twisty qui va tenter l'agression avec le spécial. On est passé pour Twisty, la touche. 1600, la bulle. Oh, cette victoire, j'en transpire. J'en transpire, plus 4. Plus 4. Sun Bentley à 2 games. Mesdames et messieurs, de franchir les 39 400. Le matchmaking a été très rapide, à croire qu'il est beaucoup plus rapide en braquage. Et cette fois-ci, on tombe sur une compo qui risque d'être un petit peu plus embêtante. Alors, Twisty, il est parti à droite. Ok, Sun Bentley, avec l'accélération, on a eu une très très bonne défense de Lord V. On a pu tester un petit peu Lord V là. Oh oui, Cassé. Attention au respawn de Beck. Ok, donc il avait le pouvoir seconde vie, cet arcade, et il a été utilisé. On a déjà pris 28% sur le coffre, 29% pour être exact. Ok, attention, l'accélération peut-être de Cassé. Sun Bentley, il a voulu faire la différence, ça a pas fonctionné pour le moment. Le dash de Cassé, ok, oh là là, très très belle gestion de Cassé, on fait une très très belle défense là, côté Cassé. Allez, Twisty, Twisty encore, allez, Twisty régène, Twisty, il met des touches. Allez, on va remonter un petit peu, ok, Twisty, il a mis quelques coups, on a pris 52% sur le coffre, on a une nette avance pour le moment. Allez, on est au mid, ça joue au mid. Ok, les touches de Cassé, on a accéléré Twisty. Oh, Twisty, ce qu'il fait, il fait la défense, Twisty. Il prend le double kill, Twisty. Allez, on relance le spécial. Sun Bentley pour prendre le kill. On a une bulle, on utilise la bulle. Ok, on a fait le ménage sur la map et on a toujours cette avance. Cassé, il a dashé. Il a pris le kill. Il va prendre le kill. Non, on n'a pas encore... Ah, ça y est, voilà, le kill est pris en équipe. Oh, et attention, cette fois-ci, ça va être la victoire, Speedy Team! On est à une game pour Sun Bentley des... une ou deux games, attendez, je suis tellement stressé. Classement général, on est à une game pour Sun Bentley de franchir la barre des 39 400. Quel palier incroyable, sans la moindre défaite. Dernière game, game décisive, on l'a pris dès le début. Et écoutez, c'est parti, toujours la même équipe, Twisty Tweak, Cassé... Et bien sûr, Sun Bentley, vous vous en doutez. Ok, mais attention, Twisty Tweak, il est tombé face à Gator Alpha. Oh, et le oh, Cassé, très très belle, très beau dash de Cassé. Cassé, il le maîtrise parfaitement son dash, c'est incroyable. Et regardez, la Cassé qui prend la distance. Il va tuer l'ami Billy de l'équipe adverse. Twisty, qui lâche un rush direct sur le coffre. Et on est déjà à 54%, on a perdu 46% côté rouge. Un petit ulti là qui va pas être foufou. Sun Bentley, il a été temporisé un petit peu. Il a fait des dégâts un petit peu sur tout le monde. Allez, c'est au tour de Twisty maintenant de faire le ménage. Accélération de Cassé sur Sun Bentley qui va permettre logiquement à Sun Bentley d'aller prendre le kill. On a utilisé la bulle côté Sun Bentley. Cette bulle qui va venir faire un rebond très intéressant pour faire le kill au mid. Et écoutez, attention, c'est maintenant. Il faut mettre la pression en équipe. Ça tente. Regardez, avec Gator Alpha, ça se cherche. Ok, Sun Bentley, il va placer la bulle.
Ok, on a pris le kill. Le nounours en plus, on profite. Allez, double kill hein, si on compte le nounours, les amis. Ah, la bonne bulle là de Gator Alpha. Il joue bien ce Gator Alpha, attention. Attention, on a pris des dégâts là encore une fois. Allez, Twisty peut-être pour lâcher une accélération encore. Attention à VRS. VRS en offensive là. VRS, attention. Attention. Net avantage. 30%. Ouh, la bulle. Ah non, c'était une bulle, autant pour moi. Autant pour moi. Ok. Allez, cassé. Faut qu'il accélère Sunbetley. C'est fait. Allez, Sunbetley pour tuer le nounours. Ok, cassé qui gère bien sa distance pour le moment. Ça lui permet de faire la différence. On est toujours au mid. Oh, dommage, Sunbetley qui va, voilà, qui a tenté une touche. C'est pas passé, malheureusement. On avait une très bonne gestion de l'équipe adverse. Le jump de VRS. Oh, attention, Sunbetley, la responsabilité. Oh oui, ça va passer avec Twisty au coffre. Il le fait. Les 39 400 qui tombent pour la Nissan Sunbetley. Ça, c'est incroyable. C'était une game, elle était incroyable. Ils n'ont pas démérité en face. Hein. Attention, quelle performance de tous ces joueurs en face. Incroyable. Bah écoutez, j'ai envie de dire GG well played. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un GG à Twisty, à Tom, à Cassé aussi qu'on a vu dans cette vidéo, bien sûr. Voilà, n'oubliez pas, alors cette vidéo était dédiée à Sun, donc je mettrai son Twitter en premier lien pour les autres joueurs. Si j'oublie pas, je vous mets promis. Pensez, voilà, à vous abonner à tous ces joueurs, à suivre Code Magic aussi sur leurs réseaux sociaux. Tout est en description, donc n'hésitez pas à checker. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Je vous laisse, il est pour moi 22h quand je finis cette vidéo. Et je maintenant place au montage et logiquement publication demain matin 9h. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Salut, salut. On prend du code.